Bon les amis, on se retrouve au stand pour ma participation au Challenge Tir Sportif 2024 organisé par nos amis Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres et Xavier de la chaîne Magnum 44 que je salue. Alors ma participation aujourd'hui elle sera limitée puisque je ne vais concourir que dans une catégorie, la catégorie armes de poing à 25 mètres. Parce que j'ai pas de poudre noire, j'ai plus de carabine en 22 long rifle, j'ai plus rien. Bon, bref, donc je vais utiliser ce superbe 1873 fabriqué par Huberti, chambré en 45 long Colt. La cible est à 25 mètres. Comme vous le savez, 5 cartouches d'essai et ensuite 2 fois 5 et on fait le meilleur résultat possible. Voilà les amis, on se retrouve tout de suite. Je vais charger cette petite merveille. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette Huberti, elle a été fabriquée à 271 exemplaires pour le monde. J'ai fait une grosse vidéo de présentation, c'était il y a 3-4 ans, de cette arme-là. Donc je vous invite à aller la regarder si vous voulez savoir pourquoi il n'y a que 271 exemplaires de ce modèle. Donc je charge en 45 Long Colt, qui est la munition d'origine du 1873. Après, il a été décliné dans plus de 30 calibres, mais à l'origine, c'est le 45 Long Colt. Voilà. Bon, 25 mètres, je mets mes petites lunettes loupe pour bien voir mes organes de visée. Et c'est parti pour 5 cartouches d'essai. On va voir où ça tape. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça a fait. Je vois pas d'ici. Mais on va aller voir. Alors, voyons voir. Bon, les amis, c'est pas ridicule. Bon groupement ici. Ici, bon, bah, voilà, si je recentre un petit peu par là, je vais m'appliquer. Je pense que ça devrait pas être trop mal. C'est la deuxième fois que je tire avec. Parce que vous savez que je tire très peu avec mes armes, en fait. Enfin, celle-là. Et du coup, j'avais pu vérifier la première fois qu'il tire droit. J'ai pas besoin de contreviser. Donc là, peut-être, voilà. Puis j'ai ma vue voilà, qui est ce qu'elle est. Voilà, les amis, eh ben, on va confirmer ça. Bon, les amis, on a vu que les 5 cartouches d'essai, c'est pas si mal. C'est pas si mal. On va recharger 5 nouvelles cartouches. Ouais, j'adore recharger ce flingue. Je trouve que c'est magnifique. Bon, mes petites lunettes pour bien voir mes organes de visée. Et cette fois-ci, on rentre dans le dur. Bon, je vois pas très bien d'ici. Allez, encore 5. Et ma foi, on verra le score. Je suis pas convaincu quand même, hein. Mais bon. Combien j'en ai mis, hein? C'est pas mal. Bon. Allez. Les 5 dernières. Bon, on va aller au résultat, on va voir ça. Pas si mal, apparemment, vu d'ici. Bon, les amis, moi je suis plutôt content. C'est mieux que ce que je pensais. Alors ici, on a un flyer, bon, c'est la honte, mais c'est pas grave. Vous voyez que le reste, elles sont toutes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dixième, on n'en parle pas. Moi, je suis plutôt content pour une arme de conception de 1873,
franchement, je dis que les bandits, ils avaient du souci à se faire quand même, hein, à l'époque. Hein. Ça tire plutôt droit, ces trucs-là. Voilà, donc c'était ma participation au Challenge Tir Sportif 2024. Je vais compter les points et je vous mettrai ça en incrustation à l'écran. Ciao les amis!